الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Question numéro 1. Mon question de la part de Z Parwez. Alors, mon question, quand nous demandons dua, on envoie bénédiction au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous gagne droit à dire l'osso famille aussi, envoie bénédiction l'osso famille et les soban compagnons aussi, parce que les autres prophètes, nous seulement envoient l'appel aux autres. L'obligation, c'est d'envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au moins une fois quand nous tenons ce nom. Et aussi, quand nous peut faire dua, les recommander parce qu'il dua, pour accepter, nous besoin envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ça veut dire le plus de nos côtés pour qu'il nous doit accepter, nous faire salam, nous faire éloge Allah et nous envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas obligatoire dans sa salam, nous envoyer salam à sa famille et à sa compagnon. Mais seulement si nous fait Ali, il y a une petite chose appréciable parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer salam à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire si on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ou bien envoyer salam le souban sahaba, ça c'est quelque chose qui est louable, qui est recommandé, mais si nous pas fait Ali, il n'est pas affecté nos doigts, inshallah. Question suivante de la part de M. Zainab, et mon capable d'une explication le i'tikaf pour madame. Est-ce que madame fait i'tikaf la case? Une des causes de l'i'tikaf fait seulement de masjid. Peine i'tikaf dans la case, qu'il y soit pour monsieur, qu'il y soit pour madame. I'tikaf fait dans masjid. Mais nous redis encore, ban masjid qui peut faire i'tikaf, peut faire disposition i'tikaf pour madame, besoin vigilant l'autre deux points très importants. Numéro 1, faudrait qu'il sa place qui n'est spécifiée pour ban madame là, qui ban zone pas gagne accès ni par erreur, ni volontairement, ni par erreur. Parce qu'il nous dit qu'il y a un homme qui fait un rôle qui est bien dissimé pour lui rendre côté madame. Alors, si il y a sa sécurité comme ça, qui personne n'est pas capable de gagner accès, oui, ça va de madame là, gagner droit, faire un décaf là-dedans. Deuxième condition, qui est responsable, ça m'a dit là, besoin assurer qu'il n'y a pas un pique-nique dans ma zid, pas une démagogie qui déroulait. Si ban zom parfois arriver faire pique-nique dans i'tikaf, faudrait pas ban madame parce qu'il ou pas pour connaître qui peut dérouler là-bas la guerre, ribat des autres, ça n'a pas fait causer que ça n'a là. Ça qui a été i'tikaf là, bizan pas fait dans masjid. Soit qui un djimon responsable, une madame qui est responsable qui est capable de mettre une discipline, sinon on n'a pas fait i'tikaf dans masjid parce que masjid c'est pas une place pour faire des autres, pour badiner, pour une faire fitna. Question suivante de la part de nos frères Fahim D. Est-ce qu'il roussal obligatoire si peine à Jumma, comme maintenant là? Alors, Jumma, roussal, les conditions à Jumma. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam impose roussal le ban djimon pour qui? Parce qu'il nous peut rassembler dans une place, faudrait qu'il nous, les corps, les pas dégage ban le dire. Donc, quand peine à Jumma, quand Jumma pas obligatoire, comme dans le contexte qu'il nous peut vivre, qui veut dire la loi qui est attachée avec lui, la loi baignée, il est tombé. C'est parce qu'il nous donne la case. Ça veut dire peine à, pas obligatoire baigner sur Jumma. Si pena Jumma dans masjid, la loi n'est pas obligatoire ben. Question de nos frères Irfan E. Moi je suis content. Une question, est-ce qu'il va madame et dans masjid? Oui, madame et dans masjid pour madame. Mais seulement, ben, ça va nous diviser. Est-ce qu'il est obligatoire ou bien il est seulement sunna? Les quatre imams disent dans masjid pour ben madame seulement sunna, il n'est pas obligatoire. Mais d'après hadith une fausse probabilité qui est obligatoire pour ban madame parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne ban madame et même ban vierge qui supposément dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban vierge pas si peut sortir du tout dans la case même devant votre famille vous pas sorti il dit même amène ban vierge dans masjid dans musalla plutôt. Alors ça c'est une indication. L'autre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il faut dans sa layla, c'est pour ça, basant l'eau là, certainement, on l'a dit, il est obligatoire pour ban madame, bin salatul jumaa. Mais dans nos cas, dans le contexte de confinement, alors, si pena veut dire, l'obligation pour nous rassembler, ça veut dire, jumaa tombé, salatul tombé, pareil, comment jumaa tombé, nous reste là, nous la case, nous pena salatul riq pour faire. Question suivante, de la part de, une question anonyme. Est-ce qu'une madame bizarre couvert sur les pieds quand il fait salat? Une cause est là, une madame bizarre couvert sur les pieds, si sur les pieds découvert, d'après la plupart des ulama, d'après le hadith, ce namaz n'a pas compté. Sauf Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il dit qu'il n'a pas de problème. Si un djimoun peut suivre Mazhab Hanafi, ça veut dire s'il peut découvert sur les pieds, ça veut dire d'après Mazhab là, il veut dire pour lui, ce namaz a compté. Mais d'après hadith,
une madame bizet couvert sur les pieds avec un long robe ou bien avec un sucet. Ça, c'est d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un péché si arrivé parfois ce CV paraît en bas sur hijab ou en bas sur horni? C'est-à-dire sur horni vin las et ce CV paraît. Alors, s'il arrive ça une fois sur un islam, ou bien fait une façon qui ne s'est pas venu dans l'habitude. S'il vient dans l'habitude, définitivement, au salat, pas pour compter. Ou bien, quand on connaît une arrive sainte coûte, ou bien, make sure qui n'est pas arrivé plusieurs fois. Négligence, erreur, arriver un coûte, arriver des coûtes, mais s'il y a plus qu'un coup d'écoute, ça devient une négligence. Et négligence, n'est pas, veut dire, acceptable dans l'islam. Et question suivante, un monsieur gagne droit cause à son madame, à son camarade, son madame par vidéo call, même qui madame là, à son monsieur. Quand madame là, tu sais, est-ce que monsieur là gagne droit call, lui, vidéo call? Est-ce qu'il y a comme ça dans Zina? Tout d'abord, qui était ça, à l'habitude là? Qui était sa pratique là? Une madame, un monsieur ou une madame, mais qui fait ou bien faire les autres hommes étrangers faire vidéo coller comme madame? Qui a fait ça? Est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce qu'il y a un camarade là, il y a un docteur ça? Il peut consulter aux madame? Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce qu'il y a une petite chose qui est obligatoire pour lui causer comme madame? Si il y a une petite chose obligatoire pour vidéo call et aux madame est bien habillé islamiquement, il peut bien causer avec lui dans la présence. Alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Mais si il n'y a aucune raison, juste camarade ça, peut badiner, peut demander babi ce nouvel, finalement, les gens se moquent de babi, mon avis cause de babi un tigide, ça c'est pas akhlaq musulman ça. Ça c'est pas akhlaq ban musulman pour vivre dans sa façon là. Et puis pire, les deux sont camarades, mais qui dit cause de son madame? Qui vidéo call peut faire? Mais qui, il a causé din, il a pu enseigner l'islam, qui était ça? Ça c'est une petite chose satanique. Parce qu'il n'a pas gagné droit ça. Ça c'est une forme de l'infidélité. Une forme de l'infidélité, parce qu'aujourd'hui, l'infidélité, elle est virtuelle. C'est l'infidélité virtuelle, appelle ça. Parce que, quand monsieur là, peut-être madame là, shaitan, il est là, c'est-à-dire, peut mettre tentation. Monsieur là, peut-être madame là, est commis haram déroulé à travers vidéo call. Combien, raura paraît, combien l'écho du monde peut-être à travers vidéo call. Alors ça, c'est une petite chose qui est satanique, faudrait pas qu'un monsieur laisse son madame dans son absence, même dans sa présence, ricaner, badiner avec camarades. Finalement, ça, demain, monsieur l'a regretté. Demain, on trouve un débagogie qui peut attendre arriver. Alors, question suivante. Mon monsieur, ça quoi les diamants qui maman passe avant? Et tout le temps, il blâme moi devant du monde, il montre moi qu'il m'a pas connu qu'il mangeait. Et madame là, elle est fatiguée. Ça quoi veut dire, il dénigre moi. Et, mon monsieur, il a tout d'abord, il a une dignité. Un monsieur, il a une dignité. C'est pour ça que les monsieur, il a une dignité. Et un musulman, surtout, il a une dignité. Nous ne sommes pas capables de descendre dans une bassesse pareille. Quand on prend une madame dans un nikah, et qui est supposé ou se défense, ou même qui faisait des bouts de poulie, dans le beau temps, dans au malheur, dans le bonheur, ou bien là, un support pour madame. Au lieu aussi pour lui, ou dénigrer lui. Au lieu aussi pour lui, ou couler lui. Oui, nos mamans passent avant pour qui ça fait? Pour l'amour, pour l'estime, pour la reconnaissance, nos mamans premiers. Mais, droit non. Comment nos mamans ont ce droit spécifique à lui, ou madame a ce droit spécifique à lui? Ou pas capable qu'aucun droit ou madame à cause ou maman. Pareil, comment ou pas capable qu'aucun droit ou maman à cause ou madame. Qui veut dire, chacun a ce droit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fa'a'ti kulli ladhi haqqin haqqa. Donne chacun ce droit. Alors, monsieur là, pas gain droit, c'est ça comme un argument qui, mon maman passe avant, là, il fait zulum à madame là. Ça, c'est une injustice qui est grave devant Allah. Et s'il n'est pas fait tauba, demain, les conséquences sont graves au qiyama. C'est lui qui fait injustice. Ou ben sawab pour disparaître. Le jour du qiyama, vous payez sa madame là pour un sawab. Et deuxièmement, dénigrer une madame. Un monsieur qui dénigrait son madame dans la société devant du monde, c'est pas un du monde qui a la dignité, ça. Faudrait pas nous compter God sa manière vulgaire et archaïque. Nous pouvons progresser, nous ben du monde éduqué et nous musulmans avant tout. Alguet dans la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il fin donne valier ben madame? Comment l'islam finit d'une valier madame? Faudrait pas que nous prenions madame pour ban, veut dire, esclave dans la case.
Ça veut dire quand on a envie nous maltraiter, quand on a envie nous cause bien en lui, quand on a envie nous vivre bien en lui, quand on a envie nous dénigrer lui, ça c'est pas l'islam. En tout cas, ça monsieur là ne peut pas pratiquer l'islam. Nous faisons un doua pour monsieur là, qui Allah guide lui dans Ramadan, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayat et inshallah qu'il vive bien haut et lui donne nous au droit et lui donne son maman aussi ce droit inshallah. Question suivante, de la part de une sœur MTH. L'IP demande concernant prend ben janaba pour ban madame. Est-ce qu'il y en a qui te facilite? Et finalement, ban hadith qui lui fait avancer. Bien sûr, ban hadith authentique. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y fait baigner en compagnie de ce madame. Alors, ce madame, l'IP dit, imra'atun ashudda dhafra ra'si. Afa'anquduhu li ghusli janaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce madame dit, ya Rasulullah, mais mon cheveu me peint plus, j'ai tresse. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame, tu peux peint plus, j'ai tresse. Des centaines de tresses. Ça, c'était façon qu'il ban épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux tresser de cheveux. Il dit, ya Rasulullah, mais comment pour faire ça, comment vous baignez pour janabat, pour vous être l'ordre de mon cheveu redressé? Vraiment une difficulté, comment vous pouvez faire ça? Parfois, une fois, il peut bien baigner par jour, deux fois par jour, tous les jours comme ça. Là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, non, innama yakfik, en tahouthi ala ra'siki, thalatha hathayad. Il suffit qu'il te prend trois poignées de l'eau. Une poignée de l'eau, prends-le, pose-le dans la tête. Madame là, il pose-le au milieu sur la tête. Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il prend sur les doigts, il frotte dans sa chevelure. Il reprend une deuxième poignée de l'eau, il met le sur la tête, il refrotte. Troisième, trois fois, il fait ça, il n'a pas besoin de laver la tête. Qui veut dire, madame, qui finit gagne relation sexuelle avec ce monsieur, il peut besoin de baigner. Et alors, il n'a pas besoin de laver sur la tête. Il n'a pas besoin de laver sur la tête, il seulement prend trois poignées de l'eau, il met sur la tête, il masse sur la tête, suffit, et il lave sur les côtes. Ça veut dire qu'il lave sur les côtes complètement, quand arrive ce cheveu, il n'est pas lave ce cheveu en bas robinet, en bas douche, il seulement prend sa trois poignées de l'eau, là, suffit. Mais pour Haïd, non. Après ce menstruation, parce que menstruation, c'est une fois par mois. Les bisins baignent complètement, y compris ce cheveu. Mais pour Roussal Janabat, il seulement bisins prend trois poignées de l'eau, et ça suffit, d'après Hadith Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que une question bien importante nous peut demander, est-ce qu'il nous prend qui confinement pour durer jusqu'à 1er juin? Comment nous faire Salatul Eid? Peine à Salatul Eid, frère en islam. Dans sa contexte qui nous peut vivre, pareil, comment nous finir dire, l'opinion plus faux pour nous, c'est que peine à Jumra dans la case. Dans la case, n'a peine à Jumra. Et parce que Jumra, c'est une place que nous faisons, une place de rassemblement. Alors donc, si Jumra peina et Eid, c'est un gathering, c'est un rassemblement plus important que Jumra. Alors donc, dans le contexte qui nous peut vivre, là, dans le confinement, peina Salatul Eid, qui veut dire, nous reste la case, nous faisons Eid sans qu'il nous fasse Salatul Eid. Question suivante, de la part de nos sœurs Nasrin B. Alors, moi, on a trois enfants, deux enfants, qui travaille, motifie à suivre coup, mauvais, mon peine à travail, mais mon faire beaucoup de démarches, mais mon pas gagner. Ce qui me demande nous, est-ce qu'il y en a qui oisifa, qui doit, qui m'a besoin de lire pour qui, comment le travail, mon gagner, etc. Alors, peine à doua magique. Peine à banzikar magique qui nous lire, qui l'argent pour venir, ou bien dimouna pour faciliter nous, nous en a doua. Nous livre la main, nous cause avec nous l'équerre. Surtout dans Qiyamul Layl, sœur en islam, devant du monde de la peine. Lève Qiyamul Layl, cas de la peine. Lève la main avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, les dit, hal min mustaghfirin yastaghfiruni fa'aghfir lah. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut demander moi pardon pour me donner lui? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut demander moi hidayat pour me donner lui? Lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et demande Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, lui répond l'appel. Allah a la capacité de toutes choses. Et ensuite, si vous êtes capable de faire sadaqa. Si vous êtes capable, par exemple, ou pouvez le redonner aide, ou faire une sadaqa, ou demande Allah subhanahu wa ta'ala, enlève ma difficulté dans le chemin, ou donne ça. Si on a 10 roupies, donne 10 roupies, donne un miskin, plus miskin qui vous mangez. Alors, donc, ça, il avance ma difficulté, et par ça, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour au chemin, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, concernant la question de suivre un seul mazhab.
Et apparemment, dans sa question-là, je veux dire, un Français, qui est nadine dans la France, peut dire, ou bien d'un pays où suit Mazhab, sa pays-là. Et dans le pays où sans Mazhab, ça veut dire, si chaque mois, ou dans un pays, ça veut dire, comment dire, là, ça veut dire, chaque mois, ou bien suivre un Mazhab. Alors, suivre Mazhab, pays n'a de Coran, ni de Hadith Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il y a de Coran, fas'alou ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui et la connaissance Coran et Sunna si on n'a pas connu. Quand vous dites de tafsir Ahlul Dhikr, les gens du rappel, c'est les gens qui connaissent Coran et Sunna. Quand on n'a pas connu ou demandé. Mais suivre un seul mazhab, peine de Coran, peine de Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, Benjamin, pour une raison, à l'époque dans l'histoire, tu n'as pas un calife, alors dans l'endroit-là, je te suis, veut dire, tu n'as la cour islamique. C'est bien un règlement. Alors, c'est un règlement. Alors, le plus grand savant de ce endroit, c'est lui qui s'est codifié ben, la loi pour qu'il implémente ça dans la cour. Alors, dans sa ben, contexte, parfois, dans sa place-là, dans sa district-là, dans sa province-là, tu as un savant Hanafi qui s'y peut, veut dire, réglemente la loi. Dans les autres places, il y a un savant Hanbali. Dans les autres places, il y a un savant Maliki. Alors, veut dire, ben savant qui n'apprend d'une façon. Alors, pour une raison pratique qui tient à lui. Aujourd'hui, il n'y a aucune, veut dire, situation que nous devons être imposés par un mazhab. Nous n'avons aucune raison pour qu'il dit qu'on impose un mazhab. Nous, ce que nous, Allah, fait de nous, atiyyou Allah wa atiyyou Rasul, obéi Allah, obéi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas connaissance, nous n'avons pas connaissance, nous n'avons besoin de faire, écoute Allah qui dit où. Fas alou ahle dhikri, demande celui qui a connaissance. Ou demande un djimoun qui a connaissance. Et là, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, lui dit, ou route un djimoun qui ou il a plus confiance l'oli par ses compétences. Ou pas le route pas. Par exemple, dans Maurice. Ou envie, veut dire, pose question d'in. Ou bien guetter, qui djimoun plus compétent, qui a plus capacité, qui a plus connaissance. D'après où, si vous trouvez un démon compétent, ou demande avec lui. Ou pas demande avec 10 démons, ou demande avec lui. C'est ça la loi qui est en vigueur. Parce que quand vous demandez avec 10 qualités de démons, pour qu'un 10 qualités de réponse, là où vous ne connaissez pas pour aller. Ou demande avec seulement un démon dans l'endroit, dans le pays, qui vous connaît ou capable de prendre comme une référence, parce qu'il y a la compétence, il y a la maturité, il y a la sagesse. Là où vous posez les questions, ça qui dit Diaou. Ou demander qui a l'indien qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ça qu'il dit, ou pratiquer, il est là, ou il prend ses responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant nos questions finales, concernant Salat Tasbih, est-ce que Salat Tasbih existe? Bien sûr, dans Muslim, ça, dans Sahih Muslim. Nous faire Salat Tasbih, fin mentionné dans le livre Sahih Muslim. Alors, c'est une question qui nous capable de pratiquer au moins une fois dans la vie. Et par ça, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.